Super. Alors du coup, je présente en vif. Ou alors présente les deux recettes, tu les as déjà montrées? Ah non, vas-y, attends, vas-y. C'est quoi, tu les présentes et je les montre, j'ai oublié de les présenter, ouais. Vas-y. Je rajoute les PNG du jeu. Vas-y, j'attends les PNG pour expliquer. Donc en fait, on va faire deux recettes. On va faire une qui est plus à base d'une entrée et le deuxième qui sera plus vraiment le plat. On va cuisiner que pour Julian, on va pas faire des grandes quantités. Parce que le but c'est juste de vous montrer que ça peut être sympa quoi, tout simplement juste sympatoche. Alors là c'est le curry de monstre. Donc on a une strat, je vais, comme vous pouvez, enfin comment dire, on n'a pas de langue de les alphos, ou on n'a pas de queue de les alphos ou de cornes de bokoblin. Du coup on va devoir faire autrement, donc on va faire vraiment juste une vraie recette, mais au dernier moment, bam, on va colorer en violet avec du colorant alimentaire l'ingrédient. Comme ça, ce sera nickel. Et après, le riz, ça va... Putain, il fait un tracking sur ma tête, ça. Et le deuxième, donc ça, le curry de monstre, ce sera plutôt le plat. Et alors, le deuxième, c'est le carrot stew. Donc, c'est une petite soupe de carottes que j'ai améliorée à ma sauce. On va rajouter un peu plus d'oignons, d'ail, un peu de champignons, un peu de pommes de terre. Que ce soit un peu intéressant. Et j'ai même prévu la carotte décorative, comme dans le plat, qui ne sera pas, elle sera pas mangée, mais il y a la carotte décorative. Ça vous plaît. Okay. Donc, on va commencer par... Vous avez kiffé la présentation ou pas la team? Donc du coup, moi je vais plus gérer les cuissons. Ça sent tellement bon. Je vais plus gérer les cuissons. Donc j'ai préparé tous les aliments pour Julian. Lui il va plus s'occuper de tout ce qui nécessite pas de connaissance de surcuisson et tout ça. Donc du coup, Julien, tu vas commencer par me peler les patates et les carottes. Ok, je me lave les mains. Oui, toujours. Toujours se laver les mains. Bon, moi, je l'ai fait 10 fois, mais je vais le refaire encore une fois. J'ai cru que t'étais en train de fake le lavage de mains. En mode, fait juste semblant. Ici. Merci, chef. Ça va ou quoi, le chat? Vous avez vu, j'ai laissé les... Attends, je sais pas si c'est là. Non, c'est là. Je sais plus. Si, c'est là. Non, c'est là. J'ai laissé les deux petits plats, du coup. Comme ça, vous voyez ce qu'on fait. Ah oui, au-dessus. Voilà. Ok, bon, j'ai mis les lampes au cas où, mais en fait, c'est assez lumineux. Merci pour Nina Taurus pour les 5 euros. Merci. Extraordinaire. Ça fait plaisir. Ok, du coup, moi, pour... Ah putain, j'ai vous envoyé, yes. Attends. Ouais, va croper un petit peu. Ah, oh, le plan pied extraordinaire. Mort. Est-ce que t'as une deuxième planche à découper? Je crois. Moi ouais, j'en ai une, genre une petite, mais... On peut avancer un petit peu, donc je vais t'aider à... Ouais. Mais même une petite, c'est pas grave. Ça. Ouais. Je vais t'aider. Je vais m'occuper... Fais les carottes, parce que c'est le plus simple, je vais m'occuper des pommes de terre. Tu fais les colonnes? Ouais. Vas-y, attends. Par contre, je crois que je préfère le... Bah, c'est pas ton bien, moi je préfère l'autre. Moi, je préfère celui-ci. Ah, tant mieux. L'un bleu. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que tu sous-entends? Voilà. Donc, les épluches, ça je sais faire. Donc première étape, la peau dans cette recette-là. Des fois dans des recettes on peut utiliser la peau pour avoir un côté un peu croustillant, un peu plus avec un goût un peu plus terreux. Mais là nous on la veut pas, donc on épluche tout. Patate comprise. Voilà. Et pour les petits sceptiques,
Il y a eu une grosse préparation des aliments, tout a déjà été lavé et pré-épluché, comme par exemple l'ail, les oignons et tout ça. Donc venez pas me faire chier avec vos nerfs. Mais personne n'était sceptique, hein, je pense. Ouais, mais bon. C'est jamais, hein. Il y en a qui font les malins. Genre franchement, on a bien préparé. Enfin, surtout Fast. Moi j'avoue, là j'ai... Franchement, ok, première carotte, je la mets au chef. Tu la poses et tu la mets directement. Ok. Directement, hop là. Et après, tu vas pouvoir la couper en petites tranches. Ok. En, vraiment en toutes petites tranches. Et directement après, tu pourras couper 3 des gousses de, d'échalotes en petits dés. Ok. Tu es plus à l'aise avec une manette. Ah, ça oui, hein. Je suis pas le mec le plus manuel, hein. Ça, ça c'est sûr. Là, vous voyez bien ce qu'on fait. Putain, ils voient tellement bien ce qu'on mec, fait. C'est trop bien, hein. Le grand angle de l'iPhone me régale, hein. On voit tout, genre. Ouais. Bon, nous, notre retour, il est un peu pixel... Un peu pixelisé, non. Mais... Oui, là, c'est juste le retour. Ouais, c'est vrai que j'arrive juste pas à lire le chat. Attends, en vrai. Je vais mettre le chat, t'inquiète, sur le texte. Non, attends. Attends, j'ai cru que c'était des fossiles. J'ai cru que c'était des fossiles, mais en fait, c'est juste les trucs des... du champignon, genre. Ouais. Les porcs. Les porcs, ouais. C'est bon, j'ai remis en 1080p. En fait, c'est pas super... Ouais, si, en fait. Ouais. Mais mets le chat sur ton texte, si tu préfères, mec. Ouais, vas-y, je vais mettre le chat sur le texte. Comme ça, on a les dons en bas à droite. Sur le retour ici. Les gars, même les 1€, 5€, dites-le, hein, parce qu'on n'est pas, pas attentif au son. Ouais, on n'est pas les plus attentifs. Ok, il y a le chat juste ici. Attends, je vous pose l'un. Ouais, je vois pas de ouf, mais... je vous pose l'un. Sinon, ce qu'on fait, vu qu'on sait que le plan est bien, à la limite... On fait comme ça, hein. Ouais, mais non, on voit pas les dons. Ouais. T'inquiète, laisse banane. Je vais mettre là. Alors, boum, boum, la bouteille de lait, vous avez vu? En fait, c'est pour le décor Zelda. En fait, je vous spoil, mais en gros, ça... Attends, je dois faire autre chose ou pas? Non. En gros, ça, on mettra du lait dedans pour le décor Zelda. Et là-dedans, il y en a un autre. Il y a ça, et en gros, là-dedans, on mettra genre de la grenadine pour faire genre la potion rouge. Ouais, non mais on mettra ça en place demain pour qu'ensuite quand Josplay il arrive le 10, on fait le live Lego. Okay. Donc peut-être qu'on jette ça à la poubelle. Ouais. Donc là, je vois juste que tu me découpes en petites rondelles. Je te découpe en petites rondelles, ok. Ouais. Les patates ou les... Non, les carottes. Ok, avec ce couteau. Là, avec ça sera plus simple. Moi je vais prendre okay. Les patates, elles font plus douces. Vas-y. Ah oui, parce qu'il faut savoir les gars que Julien n'a pas de couteau, ne soyez pas... J'ai des couteaux, c'est juste que j'ai pas les couteaux de tryharder de cuisine, quoi. Un peu plus fin. Plus fin? Ok. Je vais dire plus fin. Ah, trop fin. Il m'avait appris comment couper Gaston Le Geek. Avec un vrai couteau, pas avec un couteau à pain. Oui, bah oui. Non, c'est sûr que c'est pas un couteau à pain. J'ai pas un vrai couteau qui coupe bien, en fait, c'est ça le problème. Ça c'est un vrai couteau. Le nez il va finir périmé. Non parce que le tournage va durer que 6 heures. Du lait périme pas en 6 heures les gars. Bon, il y a peut-être moyen que le lait dure un peu plus de 6 heures. Hein. Ça, rappelle-toi, là ça prend du temps à monter les 2500 pièges. Et ben on prendra directement du lait caillé, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Bon, on va pas le gaspiller en tout cas, c'est pas ça l'objectif. Hop. Nickel, alors moi je vais commencer une première cuisson. Les gars, il va se passer des trucs en bas à droite si vous voulez. D'ailleurs, dites-moi si Guil ou autre ou qu'on a besoin de moi parce que le. Merci Deadlock RC pour les 5€. Si on a besoin de moi pour l'événement Minecraft, vous me dites. Genre s'il y a Guil qui dit oui, on attend Julien ou je sais pas quoi. Parce que là, j'avoue que je suis pas du tout au courant. J'espère qu'on aura le temps de finir. Ouais. Bon, on commence un chouïa tard, mais c'est pas grave. Ouais, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai que c'est bientôt. Non, on a plus le plan-pied. Ah, bah ça. Merci pour les 1€4. Merci beaucoup. De quoi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi? Ils ont plus le plan-pied. Ah non, le plan-pied. Oh là là, trop chiant. Ok. Bon, c'est pas archi fin. Mais j'ai essayé de cook. La deuxième, pareil, la même chose. Ok. Magnifique. Donc les gars, là, en bas à droite de votre écran, je fais fondre du beurre et de l'huile d'olive. Alors oui, on met les deux.
Et pourquoi est-ce qu'on met les deux? C'est ce n'est pas pour que ça soit gras max. Ce n'est pas pour l'amour du gras. C'est pour ça que l'amour de la calorie. C'est pour ça qu'on met que des petits, que des petites quantités. Ça y est, j'ai trop faim. Bah, ça c'est le but. Hein. Après, il est l'heure, hein, il est midi 41. Il y en a qui mangent devant ce live, je suis à peu près sûr. En fait, le gars, par exemple, le beurre, bah, si vous avez déjà cuisiné avec du beurre, vous savez qu'il brunit, il brûle. Et en fait, moléculairement parlant, si on met de l'huile d'olive, en fait, ça équilibre la température maximale que le beurre peut atteindre sans brûler. Donc du coup, on peut garder les propriétés nourrissantes et sucrées du beurre avec un tout petit peu d'huile d'olive sans que ça brûle. Parce que le beurre brûlé est extrêmement cancérigène, si vous ne savez pas. Merge. Le nerd de la cuisine. Je savais pas du tout en vrai que le beurre brûlé. Ah mais attends, mais du coup, mais quand le beurre est brun, il est brûlé, c'est cancérigène. Ouais, mais genre par exemple, parce que moi, en Bretagne, mes tantes, elles mettent du beurre sur le bilig avant de mettre la pâte à crêpes. Du coup, faut pas faire ça, genre, parce que tu sais, c'est pour pas que ça s'accroche. Tu sais, elles le font fondre sur la poêle, quoi, avant de... Non, mais tant qu'il brûle pas, c'est bon. Tant qu'il est pas brun, c'est bon. Comment ça, brun? Bah, brûlé, quoi. Ouais, ok. Les gars, regardez ce qu'il y a dans la cuisine, ça vous rappelle un truc, ça ou pas? Non! Mais tu sais que ça, j'ai plus détesté que la balle d'airsoft. Ah ouais? Genre, en vrai, l'airsoft, ça surprend de ouf. Et en fait, le fait qu'il y a une arme pointée sur Watt, ça fait trop chelou. Mais en vrai, avec le recul, j'ai peut-être un peu maxé la situation. Mais enfin, c'est juste, ça fait trop stressé. La deuxième balle était dans ton dos, t'avais une marque beaucoup plus énervée ouais. Que la première. On va faire comme ça, pour pas se couper, ça serait cool. Ok, dès que t'as fini les carottes. C'est à 500 euros de don, je viens d'en prendre le piment. Les mecs du chat inventent des règles. Et en plus du piment, je te tire dessus pendant qu'ils le mâchent, les gars. Vraiment, vous inventez quoi. Pendant que je fais du karting. Oh oui, imagine. Tu te fais canarder pendant le karting. Bon, malheureusement, le dernier là, j'arrive pas à faire moins épais, mais. Qu'est-ce qu'il est précis. Mais qu'est-ce qu'il est précis. Ok, je veux bien du coup. 3. Pas tout. Hein. Moi, 3. Je suis. Ok. Et une. L'avant. Les trois là. Ok. Et un champignon. Le champignon. On a besoin de ça. Non, plus maintenant. Ok. Je le mets dans l'évier. Donc ça, on fait des petites lamelles. En petit dé. En dé. Okay. Enfin, tu les atomises aussi finement que tu peux, quoi. Toujours avec le même couteau parce qu'il est très grand. Non, là, tu peux prendre ce que tu veux. Je prends un petit peu genre... Ouais, prends ce que tu veux. Un petit peu noir, quoi. Donc, Drill. En petit dé, mais en vrai, si c'est pas des petits dés, juste, voilà. Je porte le cut comme le mec dans CS. Ça et ça, le plus fin possible, et ça, en lamelles comme les carottes. Ok. Et donc, dé, tu fais... Alors, tu fais d'abord dans ce sens-là. Si vous voulez savoir comment faire des petits dés sur une échalote, il y a une méthode qui est très simple. J'espère que vous allez voir correctement. Donc en gros, je vais essayer de vous montrer en grand angle. Vous allez d'abord venir inciser dans la longueur sans aller jusqu'au bout. Et ensuite, vous venez inciser, vous faites un quadrillage, quoi, tout simplement. Donc du coup, il vient d'abord... Et tu touches pas le bout, sinon ça se disloque. Il vient d'abord dans la longueur. Et ensuite, de l'autre côté. Ok, I got it. Voilà, et après tu fais gaffe parce que ici la peau elle est un peu tenace, donc du coup voilà. Et là, magnifique. Bim, t'as les petits dés. Tu fais ça pour les deux autres. C'est pas mal. Ok. Les dés, ils sont pas très cubiques les dés. Non mais c'est l'appellation en dés quoi, mais C'est ciselé, ouais c'est ça. Non les gars, ciselé c'est pas ça. Enfin, ouais si vous voulez casser les couilles, ciselé c'est ça. Ok. Oh là là. Oh, ils sont tellement fous, mes dés. T'as un couvercle pour tes gâteaux et tout, c'est quoi? Je crois que j'en ai des petits. Je prends un couvercle pour ça. Ça, j'ai ça là, ici. Ouais. Il y a deux tailles.
Ah, c'est transparent en plus, nickel. Ouais. Super, magnifique. Ok, là les gars, j'ai entamé une cuisson du coup de coloration, donc à laisser avec l'huile d'olive, les patates et les carottes pour pouvoir les colorer. Maintenant, je finis sous vapeur parce que j'attends qu'elle soit tendre. Il y a un mec dans le chat qui a dit ça, c'est le repas que Link a déjà mangé des centaines de fois. J'ai la rêve de ce mec là. Qui ne l'a pas. Non, mais ce mec, au début, il proposait des vrais trucs. Tu veux un coca ou un truc? Non, t'inquiète, là je vais courir donc faut que j'essaye de. Moi les gars, je fais pas de sport, mais léger. Du coup, je prends un coca. Voilà. Non, mais c'est surtout que je quand je cours le ventre plein, mes perfs sont atroces. Genre, faut que je mange léger. Je comprends. Ça va, c'est beau. Il est beau ton ciselage, n'est-ce pas? Oui, il sent mal. Hein. Ouais, il est pas mal. Je fais ça pour toutes les échalotes? Non, seulement celle que je t'ai donnée. Ok, là c'est pour le deuxième plat. Alright. Lui pareil, en petit dé. Bah alors, t'as tes dice alors. Et lui, on l'amène comme les carottes. C'est tellement petit, il faut être précis. Attends, Gastronogie qui m'avait appris la prise clo. Genre tu prends ton... Ouais mais avec ton... En fait le truc, pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce que toi tu as un couteau cranté. Du coup ça ne glisse pas sur la matière, ça l'accroche. Et il vient de se passer ce qu'il vient de se passer. Un couteau cranté. Fais un plat avec lui. Fais avec lui. Ok. Ah c'est de ce côté-là. Ah ouais, oui, là-haut. Ah oui. Ah oui. Ah oui! Fais gaffe parce que lui vraiment il ne te coupe pas le doigt. Ah oui, non, moi je le sens. Je le sens de ouf. T'inquiète, je fais très attention. Bon, par contre, les dés sont pas. Pas juste soit fin. Enfin, ouais, okay. Petit quoi. Parce qu'en d'autres cas, ça va fond. Après, je vais le manger, c'est le but! Et donc là, vous voyez sur la cam ici en bas à droite, ça a arrêté de. Enfin, c'est toujours en train de cuire, mais c'est dans 20 minutes le stream de Guillaume. Ok, ouais. Ça a arrêté de saisir. Là, on est sur quelque chose vraiment qui commence à ramollir. Et c'est exactement ce qu'on veut. T'habites à ramollir? Moi, j'habite à durcir, perso. Ok, hein, je pense qu'on va entamer les deux recettes en même temps, comme ça, à la limite. Ok. Faut faire à la limite, moi. Ouais, c'est vrai, parce qu'il nous reste 20 minutes, genre. Ok, donc du coup, moi, je vais récupérer ça. Voilà. Donc du coup, je veux bien le champignon en vif, en petit. Ok. Chignon. En dé? Ah non, en comme les carottes. Tac, 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 tac. Ok. Comme ça? Dans ce sens-là? Ouais. Donc les gars, par question de temps, on va démarrer les deux recettes en même temps. Donc on va faire ce que les restaurants ont de leur ticket à faire, c'est-à-dire servir l'entrée et le plat au même moment. Ouais, c'est chaud. N'hésite pas, maintenant que je t'ai donné l'huile, tu peux prendre du tout le temps, si tu veux. Vas-y. Mais comme ça, il va falloir qu'on essaye de gagner un petit peu de temps. Donc la deuxième recette, c'est le curry de monstre. Alors, ce matin, j'ai dit une connerie à Julien, je pensais que c'était le riz qui était en couleur monstre. En fait, non, c'est bel et bien la sauce. Curry. Donc du coup, c'est pas grave, ça ne change strictement rien à ce qu'on va faire. Mais c'est pas un plat douteux? Bah... Alors moi aussi, j'ai été... Voilà. Le plat douteux, c'est juste pour le... En mode plat douteux, c'était juste pour la rêve à Zelda, quoi. C'est pas C'est juste... voilà. Ok, je veux dire que du coup, eux c'est différent. Tu vas juste me les faire très fin dans le sens de la longueur, pas en dé. Ok. Ah oui, ok, d'accord. S'il est raté, il est douteux. Ouais, mais il sera pas raté avec Fast, je vous le dis. Ça vous plaît déjà cette petite casserole de légumes? Là, c'est vraiment une poêlée de légumes. On a déjà un style de premier plat, là. Poêlée végétale. Ok. Et les gars, par pitié, toujours assaisonner, s'il vous plaît. Mettez du sel et du poivre. Ah oui, oui. Même moi, j'adore. J'adore. Je vous demande pas d'être malheureux. Les pistes. Merci pour les 5 euros, le repas de Julgan. Ouais. Faites des dons. Bourrez les dons. Je rappelle, à 20 000 euros, je leak combien d'euros ma chaîne YouTube a généré depuis le début. À 30 000, je fais tous les Zelda 3D à 100% en une semaine IRL. 40k, c'est juste ce que je fais. Merci Scadi pour les 50! Wow, 50! Merci beaucoup Scadi 34! Et je fais. Attends, c'est quoi déjà à 40k? Je sais même plus. Ah si, marathon! Et 50k, buzz! Tu sais que j'ai regardé un tuto, c'est pour savoir comment faire des buzz. Ah
Par contre, c'est si tu fais les échalotes, mais on a quasi pas de délai, on a genre 2 secondes de délai. Ouais, vraiment, hein. Bah, c'est... Après, j'ai mis à low latency, mais... Mm. Je veux bien pour les 3, du coup. Et là, il en petit aussi. On n'a pas le son des alertes. Ok, attends, je vais essayer d'essayer. Tu les veux comment, t'as dit, pardon? Je vais le faire, je vais le faire. Ok, vas-y, je vais écouter les alertes. Oh, attention. Désolé les gars, je vous parle pas trop, mais faudrait qu'on se dépêche un petit peu parce que j'avoue qu'on a lancé quand même pas mal en retard. Merci pour les 5 euros, la montre de Julian. J'ai pas vu le don. On y retourne, normalement les dons s'entendent. Un peu mieux. Je suis mort, Julian a mis les autocollants qu'il a reçus dans le pack Mario Wonder. Bah oui. Tu l'aurais pas fait. Bah oui. Ça rentre bien. Regardez, il voit. Ça se voit pas les gars, mais c'est en 3D. Hein. Genre, ça se voit pas. Ouais, ça c'est de la 3D, genre. Tu peux bouger les blocs individuellement, genre là. Il est trop bien ton frigo. Ouais. Bon, du coup, j'étais un peu enculé les dernières étapes de ton truc. Et en plus, on a des magnets de chaque truc où on a voyagé, genre Portofino, Amsterdam, Van Gogh, Braga, Bordeaux. Ok. Il y a un deuxième don de 5 balles. Ah merde, c'était qui? C'était Oya. Merci pour les 5 euros, Oya, alors. Désolé. Le frigo a tellement de flow. Alors, pour l'anecdote, c'était totalement un autre frigo de base. Sauf que, en gros, quand on est arrivé, en une semaine, il s'est mis à arrêter de fonctionner. Ce qui a fait que j'ai perdu toute la bouffe que j'avais mis à l'intérieur. Genre, juste, ça rafraîchissait plus, quoi. Enfin, ça faisait plus sa fonction de frigo. Donc, du coup, vu que je suis arrivé, c'était déjà un meublé. J'ai appelé l'agence, ils m'ont dit oui, on vous en fait une autre. Enfin, vous pouvez racheter un frigo si vous voulez, on vous le déduira du prochain loyer. Donc, du coup, il a coûté 4. En gros, ils m'ont dit. La propriétaire a 400 balles de budget, rachetez un nouveau frigo et vous aurez 400 euros de moins dans votre... Enfin, vous nous envoyez la facture et vous aurez le prix du frigo en moins dans le... Merci Gassin pour les 50 balles. 50 balles. Vous aurez le prix en moins dans le loyer. Et en gros, moi on me dit j'ai 400 euros de budget. Combien est-ce qu'il a coûté ce bad boy? Il a coûté 399,99. Évidemment. Ah non, mais moi, je le laisse pas partir. Ah bon, on me dit, il y a 400 euros de budget, frère. Hein. Merci pour les 50 balles, merci Madeline pour les 10 euros. Merci beaucoup. Je peux faire quelque chose ou pas être là? Oui, tu peux entamer la cuisson du riz. Ça a l'air tellement succulent, ce velouté. Il faut que tu cuises le riz, genre là, maintenant. Là. En vrai, je me dis, ce qu'on peut faire, si on est un petit peu en retard, la team sur la cuisine, c'est qu'on peut... switcher entre cette cam là et mon truc Minecraft pendant que Fast genre il termine. Mais attends, le riz là, je veux celui-là. Ok, c'est pas du riz. Est-ce que tu veux que je le lave en mode pour qu'il soit un peu plus collant ou... Ouais. Ok, vas-y.
pour ça que j'ai pris du riz qui n'est pas en sachet. Prends ce que tu veux, de toute façon, ça va cuire et... Cuire prends ce que tu veux, fais comme tu le penses, lave le riz avec ça. Et le... Alors le problème, c'est que généralement, le riz, je le cuis là-dedans, mais... C'est pas grave, avec la quantité qu'on a besoin, tu avec celle-là. Ouais. Et le riz, tu le laves dans le chinois. Ouais, ok. Le chinois, ça s'appelle? Ça s'appelle un chinois, ça. T'es juste raciste. Non. Et après, tu pourras mettre l'escalope à cuire dans l'heure, frère. Genre c'est comme les billes plates, pourquoi on les appelle les billes chinoises? Genre c'est juste raciste. Comme les yeux. Pardon chef. Tu sais doser du riz? Généralement, quand j'ai un truc gros, ouais, je dis j'y vais au feeling. Tu veux c'est pas gros, c'est une portion que pour toi. Voilà, c'est bon, c'est grâce à rien, c'est déjà trop. C'est déjà bien trop. Ok, le mec dose le riz comme n'importe qui d'entre nous dose des pâtes. On va faire des pâtes pour une personne, on finit pour un banquet pour 6. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Non, mais le riz n'est pas jeté. Hein, j'aime bien cuire plus que nécessaire parce que comme ça, au pire, je le mets dans le frigo et j'ai pas besoin de recook. Merci pour les 1€, Théo, merci beaucoup. Let's go. Alors là, comment est-ce que vous faites pour avoir votre riz collant? Alors là, c'est pas un riz qui de base est bien collant, c'est du riz taille. Mais en gros, genre, vous mettez un petit peu de l'eau. Ça, je connais cette strat parce que, bon, alors évidemment, idéalement, faut un riz et de sushi, quoi. Mais vous pouvez quand même le rendre un petit peu collant. Si vous mettez de l'eau, hop, l'eau devient trouble parce que il me semble qu'il y a de l'amidon sur le. Ça, c'est l'amidon, ouais. Sur le. C'est des féculents et des amidons. Sur le riz. Et donc du coup vous le lavez plusieurs fois et comme ça ensuite vous remettez l'eau comme ça. Alors ça utilise pas mal d'eau en effet. Mais donc du coup comme ça hop vous remettez l'eau et vous relavez plusieurs fois. Et comme ça ça rend plus collant. On doit un petit peu pétrir pendant que c'est sous l'eau. Hop. J'arrête un peu avec ma main. Mets un bout de piment avant hier. Tu veux piéger mon plat en fait. Non, on va faire ça. Bah après c'est un plat de monstre. Est-ce qu'il y a des plats de monstre, c'est piquant c'est vrai. Passe. Ah je sais pas, non, l'extrême monstre, y'a quoi dans l'extrême monstre? De la corne de Bocoblin et de la queue des Alphos. Là je vais faire bouillir de l'eau. Presque 3 500 000 canettes. Merci pour les 1€, monsieur Oshiro. Merci beaucoup. On va faire bouillir de l'eau, petite bouillant. Je sais pas si vous vous rappelez Tingle, dédicace à Tingle. Ah, tu fais comme ça, là? Ouais, ça va, ça fait gagner un peu de temps, quoi. Ça fait gagner un peu de temps, là. C'est de la time save. Ça fait gagner du temps. En cuisine, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait full time save. Ah, moi, j'ai tellement la même philosophie inverse. J'ai envie de prendre le temps de bien faire. Ah non, moi, j'ai trop la flemme. Mais je comprends ce délire de vouloir prendre le temps de faire la cuisine, mais c'est vrai que moi, c'est... En fait, j'aime bien faire à manger pour les autres, mais quand c'est juste pour WAM, comment j'ai trop la flemme de tryhard, frère. Genre, franchement, parfois, quand j'ai trop la flemme, juste je sors une tranche de pain, je mets une tranche de poulet, je mets du beurre fin, quoi, vraiment. Ou alors, je me fais des pâtes. Genre, tu cookes et voilà, quoi. Ça cook en effet, KR. Par contre, les gars, je suis désolé, genre, je n'explique pas trop ce que je fais, mais on est là pour montrer le résultat final. Mais de toute façon, là, il est 13h, donc je vais bientôt pouvoir partir. Ce que je peux te proposer, c'est que pendant que tu termines, on pourra alterner de temps en temps, voir où est-ce que t'en es. Si jamais... Merci infiniment, Badin, pour les 1€, merci beaucoup. Et voilà. J'ai les rêves de ceste. Et bon, on a la couleur du carottillon. C'est vrai. Le carotte fio, les gars, c'est... C'est vrai que c'est à peu près cette couleur. Hein. C'est juste carrément cette couleur. C'est totalement cette couleur. On attend que la bouillure est passée. Moi, qu'à la fin, vous avez mangé le plat, évidemment. Bien sûr. Évidemment, on n'est pas là juste pour cook. On va pas gâcher. C'est pas le but, pardon. Est-ce que tu veux bien me couper une petite noix de beurre? Quelle taille? Bah une noix de beurre. Une noix?
Je sais pas c'est combien la quantité d'une c'est genre ça. C'est genre ça. Oups. Ah, je peux la mettre là. Vas-y. Comment vous allez faire la sauce violette? Je spoil ou pas? Oui, je spoil. Grâce à ça? Du colorant alimentaire de pâtisserie qui n'est pas sucré. Il ne rajoute pas il de. Il n'est pas sucré au sucre. Il ne rajoute pas. De... En gros. Il est. Il n'y a pas de goût quoi. Celui-là n'a pas de goût. Okay. Mais il y en a qui ont du goût pour rajouter, pour remplacer du sucre. Ils ont du saccharose. Ah, c'est ce qui est utilisé pour les macarons et tout là? Ouais, c'est ça, ouais. Merci la grand-mère pour les 10 euros! Merci infiniment. Et grand-mère. Vous allez vous péter le bide. Tu vas, je pense qu'en live, ouais, tu pourras goûter déjà le. Ouais, je pourrais goûter, mais. Le carreau dessus, tu pourras. Ok. La bouillure est faite. Là, en vrai, c'est à quelle heure ton truc? C'est normalement, c'est à 13h. Normalement, c'est maintenant. Mais... C'est dommage parce qu'on est à. C'est quoi le timer sur les... le riz? 10 minutes. Ok. Fais attention, je mets l'autre chose. Oui. Aïe. Les gars, je viens de troll, mais bon, on fait barrage. On fait barrage à la flamme, vous voyez pas ce qui se passe. On fait barrage à l'extrême droite parce que le mec qui fait un. Le mec qui. Le mec qui veut tout politiser, là. Alors. Regardez pas mes fesses, hein. Regardez. 50 euros, ouais, merci Game Win. Ah non, merci Game Win pour les 10 euros. Et il y avait qui d'autre 50 euros? Je sais plus. C'était qui les 50 balles? Mec, ça sent tellement bon si vous étiez là. Merci Amandine pour les 50 euros. Merci Choco Pops pour les 1 euro. We are cooking right now. Merci infiniment. Je remets le beurre, t'en as besoin encore ou pas? Non, pas plus besoin. Le frigo alors. Tu les mets à feu fort comme ça? Ouais, un peu tout. Ok, je te fais confiance. Moi, vu que je sais pas trop ce que je fais, j'aime bien mettre feu doux, mais... je vais très rapidement aller voir... sur mon setup, si jamais il n'y a pas des préparations pour le truc Minecraft, parce que j'ai pas envie d'être en retard. Tu reviens dans 3 minutes, tu peux goûter le carotte si tu veux. Ok. Et dans le pire des cas, bah, on commencera et je vous remontrerai de temps en temps ce que Fast fait. La quête globale est bientôt à 3 500 000, ouais. Ouais, c'est assez crazy, ouais. Je suis plutôt d'accord. Extraordinaire. Tu vas te régaler. Alors les gars, ici on a un katsu, donc du coup de la dinde panée, enfin du poulet pané. Par souci de croustillance, on va le faire ici, ça c'est un air fryer. Voilà, ok. On le fait là-dedans. La team, je suis sur l'autre micro. On met un peu de papier sulfurisé pour protéger. Je crois que ça va bientôt commencer. On n'est pas des brutes qui salissent tout. Attends, c'est le bordel. Attends. Salut. Attends, je voilà. Configure juste 2-3 trucs. Y'a un mec qui m'a dit salut sur... Bien que ce soit un air fryer, on va mettre une toute petite goutte d'huile d'olive, juste parce que la panure ici... Parce qu'on tellement, sèche, c'est une singerie. Mais genre vraiment une toute petite. Donc pour mettre une petite goutte d'huile d'olive, vous avez le goulot, vous mettez votre pouce, et vous mettez la taille qui vous intéresse, quoi. Ok... Voilà, toute petite goutte. Le mec qui défonce le live. Et voilà. Non, par contre, attendez. Bah, ça a l'air de... Ça a l'air d'être maintenant, mais je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Je regarde sur le Discord ce qu'il faut faire. Je vous laisse avec Fast, évidemment. 15 minutes. Mais là, j'essaye de setup pour... Je sais pas ce qu'il faut faire. What the fuck. Mais ça va, on lancera aux environs de 13h pour les infos, commandes, etc. Blablabla. Ok.
Ah, c'est un serveur, ok. Plat douteux ? Non, 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 plat douteux, c'est juste c'est le nom marketing. Tu dors où ? Bah, en gros, bah, j'ai une cuisine, un salon, et on a deux chambres. On a l'une des deux chambres que j'ai aménagée dans mon studio, donc après, il y a une autre seule chambre, mais que vous ne verrez pas. Et Fast, il dort dans le salon, on a mis un matelas. Mais Fast, ces darons sont... Pour ceux qui savent pas, les darons de Fast, ils bossent dans la... Merci Missy pour les 1€. Les darons de Fast bossent dans la... J'ai pas besoin que ça cuise trop fort. Bossent dans la restauration. Juste de quoi remuer mon riz, pas que ça colle, au fond. Je me mets où la team ? Il nous l'a dit hier. Ouais, mais je redis au cas où pour ceux qui... Ah, c'est ton coloc ou c'est qui ? C'est mon monteur. Et là, on t'attend sur Minecraft. Ouais, je suis en train de setup. Je suis en train de setup et comme tu peux le voir, on est un peu en retard parce que, bon, on était en train de cook. Et alors là, les gars, je vous demande votre aide. Pour vous, dans le chat, pour faire du violet, sachant que ma... sauce est déjà un peu jaune. À votre avis, je rajoute quelle couleur ? Pour moi, je rajoute du bleu. Pour revenir sur le vert. Ouais, bleu et rouge. Et après, je rajoute un peu de rouge pour retirer sur le mauve. Rouge plus bleu. Non, mais il y a déjà une couleur. Rouge plus bleu, ça marche quand on part du blanc. Mais là, il y a déjà une couleur. Donc, il faut annuler la couleur pour revenir à une couleur. Bleu plus rouge, violet comme dans le cas. Bleu et jaune, ça donne vert, les gars. On est tous d'accord de ça. Hein. Oh oui, ouais. Je suis en train de lancer Minecraft. Si jamais il y a des gens de chez Guild qui m'entendent, y a que moi et Monody, frère. Mais du coup, y a plus Actuan. Attends. Ah non, c'est Ligaya qui au final vient pas, je crois. Je crois que c'est Monody qui remplace Ligaya au final dans ma team. Je connais pas du tout. Mais c'est pas grave, on va apprendre à faire connaissance. Prends une petite dose et fais un test. Ah oui, y'a plus en bas à droite. Ah merde. Ça c'est une très 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 bonne idée. C'est exactement ce qu'on va faire. Ouais, je sais pas pourquoi y'a plus la cam. Ok, c'est bon. C'est exactement... Attendez, je vais aller le prévenir. Très bonne idée. Attendez, oui. Non, je connais pas du tout Julgan sur YouTube. Merci pour les 50€, You Red Panda. Vous me donnez si faim ce midi. Merci pour ce que vous êtes. Et Julgan, t'es trop mignon. Wesh, je me fais draguer là. J'ai déjà une femme. Merci, mais merci pour les 50€. Dragué, merci pour les 50€. Mec, ça va être peur. Oula, mince. C'était juste pour te dire, l'OBS Ninja, il fonctionne plus, là. Lui ? Ouais, bah oui, regarde, y a plus la cam. Bah si, il filme, là. Bah... Oui, ah bon, oui, là, lui. Ah oui, non, l'autre, oui, pardon. Ouais. Ah, ça s'est déroulé sur chaud. Ah, waouh. Ah oui, okay. Bah oui, il est juste au-dessus. Ah bah ouais. Ah oui, urgence température. Bon, écoutez, sinon, on rabaisse. De toute façon, là, il y a quasi plus rien. Il y a quasi plus rien. Tout va se passer là, de toute façon, non ? En vrai, là, je termine, je serre là. Hein. Ok. Il y a quasi plus rien là. Parce que de toute façon, lui, il est là. Ouais, l'hôtel était en train de dedge. Ouais, l'hôtel était en train de... Bon, on vous laisse comme ça, là. Ok. Vous êtes prêts ? OMG, les Team Cook! On va faire goutte par goutte, les gars, je suis pas sûr. Donc, jaune, rouge. Là, du coup, on a un beau petit rouge. Mais il fait de la peinture, en fait. Il fait juste de la peinture. Quand même bien coloré, on peut directement essayer de mettre bleu. Quel bruit? Merde, quel bruit, la team?
Comment ça, le bruit des enfers? De Minecraft? Moi, je vais faire ça avec autre chose. Merci, Ilianos, pour l'1€. Ça avec... ça avec ça. Ah, de la fourchette. Ah oui, ok, ouais. Cube Hunter, l'IP, ok. On est carrément sur du beurre, c'est vraiment pas la bonne couleur. Hop. Je vais mettre un peu de bleu alors. Yes. Ok, c'est bon, je suis sur Minecraft la team. Le problème c'est que... Ok, là on est comme ça. Ah si, actuel. Que là, je rajoute il manquera plus que Kyria. Là on a un genre de bleu un peu émeraude là. Je joue pas avec lui, j'étais en train de préparer parce que l'event Minecraft il était censé commencer à 13h, donc là je prépare je commence déjà à setup, c'est pour ça. C'est. Ok, je suis orange. Ouais, il nous manque juste Kyria. Je vais déjà commencer à faire la scène Minecraft, attendez. Je vais changer le titre. Ah, c'est pas mal. Cube. On se rapproche. Cubes. Hunter. On se rapproche. Les dons. Et ça coûte toujours pareil. Influence Minecraft. Ça coûte vraiment toujours pareil. Ça a goat. Y'a que les Belges et les Québécois pour lire ça. C'est gris? La couleur est douteuse. Mais c'est pour ça que j'ai mis plat douteux. Je le savais. Okay, Je le savais. Pour retrouver un peu de blanc, je vais rajouter un peu de lait de coco. Ça va retrouver un peu ma couleur blanche. Comme ça, le mélange sera moins difficile. Donc pas de ciseaux ici? Merde. Comment je fais si j'ai pas de ciseaux? Pense quoi les Suisses? Oh, rien de spécial, hein. Si je dois être 100% honnête, j'en pense rien de spécial. Coucou, ouais, je suis là, j'ai juste pas encore en gros, ils vous entendent pas sur Discord, je suis en train de faire ma scène. Mais de toute façon, on attend Kyria là, non? Oui! Merci la prod! Je sais pas si on commence. La prod m'a apporté des ciseaux. Oui, c'est ça, mais pour moi Monody, tu remplaçais Gaïa en fait. Ouais, je sais pas du tout. Ok. Ok, du coup, on moi part sur une couleur un peu plus neutre. Donc ça va être plus simple. On est où ici? C'est pas mal. Donc du coup... Je sais que vous les entendez pas la team, je suis en train de faire la rouge scène. Rouge et bleu, on est d'accord. Regardez, y a Fast, y a de l'audio dans mes oreilles. Frère, attendez. Tout ça, ça compte comme un bloc? Mais je regardez, là vous avez ce que j'ai dans les oreilles. Pas de jaune. Je sais pas. C'est rouge et bleu. Parce que là ça fait beaucoup. Hein. Voilà, vous comprenez mon POV maintenant. Autant on verra bien, je sais pas comment ça compte. Mais ça se trouve... Je deviens fou. Je sais pas, tu sais, s'il y a une liste avec tous les blocs. Il a tellement de cartons. En vrai, je pense que je vais malheureusement muter Fast. J'avoue, je suis perdu. Dites à Fast qu'il est muté. Surtout si on est trois en plus, c'est une galère. Et de faire des signes. Regarde, rouge, ils sont trois aussi pour l'instant. Non, dites mute. Mais dites que c'est normal. C'est normal, mais non, mais. Non, dites c'est normal, fais des gestes. TPK et Jimmy, allez, c'est bon. On sait déjà que ça va être compliqué contre eux. Ah, je suis pas un gros joueur de Minecraft donc c'est. Non, en vrai, attendez, regardez ce que je vais faire. T'inquiète, on est deux. Il disait de faire slash catalogue une fois en jeu pour avoir liste, demander et donner. Ok. Comme ça, la team. Comme ça, hein, sinon. En vrai de vrai. Ok.
Ok, c'est bon. Ok, là normalement j'ai setup Discord, donc vous entendez les gars sur Discord. J'ai mute face pour pas que ça soit trop too much. Ouais. Sinon tu laisses face et tu te mute. Mais en fait je sais pas quand est-ce que ça va commencer. Waouh! Ah bah ça a déjà commencé visiblement. Allez, let's go. Et ben c'est parti. Let's go. Et je sais pas du tout ce qu'il faut faire. T'inquiète, hein. Attends. Faut cliquer droit sur le... Le brigantin, je sais pas quoi là. Ok. On est pas au même endroit. Attends, ouille. Non, on est pas ensemble. Là, ah, je suis vraiment au milieu, je suis sur une île. Ah mais putain, en plus j'ai... Ah merde, j'aurais dû lancer... Vous êtes sur le Minecraft de base ou vous êtes sur un client Non, celui de base, je crois. Celui ah voilà. De base, en 21. Mais... Ah oui, parce que... Attends, j'avoue. C'est quoi vos coordonnées? Attends, on peut se rejoindre ou pas? C'est quoi vos coordonnées? Je suis en 1638, 3250. Ouf, ok. Je suis en 1845, moins 3209. Je suis en 4360, 1800. On est vraiment isolés. Oh l'enfer. Mais c'est plus une équipe là. Bah là, on est dispatchers des merdes. C'est vraiment juste plus une équipe. Mais faut faire quoi en fait? C'est quoi le but? Bah je crois faut récolter un bloc de chaque, genre faut prendre le plus de blocs possible différents. Ok. Mais du coup, j'ai déjà de la pierre. Et tu le mets dans le sac à dos? Bah je sais pas. Ah oui, peut-être le sac à dos qu'on a dans l'inventaire là tout à droite. Et c'est du FFA? Ah ouais. Non, attends, mais non. Non, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait pas le. Il y avait pas de PVP. Attends. L'événement dure 2 heures, nanana. Mais ils expliquent pas les règles dans les annonces. Commande slash RTP pour être TP aléatoirement sur le farm. Go TP les gens de la même team ensemble. Personne n'a joué à MC à part moi. Merci Gil. Il est sympa. Ouais, un peu, ouais. Oh là là. On ne sera déjà mieux. Attendez, je reviens dans 20-30 secondes, attendez. Ouais, ça marche. J'avoue, j'ai pas compris la slash catalogue. Qu'est-ce que ça dit? Catalogue. Non récolté. Votre équipe a récolté 0 bloc sur 1141. Let's go! Bah attends, comment on fait? Attends, si je fais ça là. La pomme de Dream Nation a donné. Mais non! J'ai eu un malus! Je vois plus rien! Ah donc c'est ça? Ouais, quand tu fais des dons, c'est intégré directement ouais. au jeu? Ouais, ils ont tout branché sur nos cagnottes! Merci la pomme de Dream Nation! Attends, où est-ce que je peux me mettre là? Quoi? La pomme de Dream Nation? Je fais celle-là, et ça je me mets là. Attends, mais comment on récolte les blocs? Ok, re la team. Faut faire quoi, du coup? Ben, du coup, faut récupérer des blocs, mais je sais toujours pas comment on les... Là, tu vois, j'ai récupéré un bloc de bois que j'ai mis dans le sac à dos, là. Ouais. Et ça monte pas le pourcentage en haut à droite. Ouais... Donc, je sais pas... Ouais, moi non plus. Directeur slash catalogue. Slash catalogue. Bah oui, mais j'ai fait catalogue. Ouais, il y a une liste de blocs. Oh, d'accord. Fait. Ah, il y a pas tous les blocs? Attends. Ah, ok. Si? Bah si, ils sont tous là, non? De la pierre. Mais là, j'ai eu de la pierre. En fait, faut le valider, je crois, non? Genre faut cliquer dessus. Ça marche pas, on a récupéré la dirt et il se passe rien. Ah bah voilà, oui, effectivement. Ok, FF. C'est pété. Coucou. Cliquez le bloc, doit faire slash catalogue et cliquez sur la dirt. Bah j'ai même pas de dirt, je suis sur un biome Mesa, frère. Ah oui, ok, c'est dans le catalogue en haut. Comment ça? Ah, vous avez réussi? Ah oui, c'est bon. C'est bon, j'ai du bois. Attends, comment vous avez fait? J'ai pas compris. En gros, t'appuies sur slash catalogue. Ouais.
Et tu vois les items en haut qui sont affichés dans ton catalogue, tu fais clic gauche, genre je sais pas, par exemple si t'as de la dirt, tu cliques sur la dirt dans le catalogue et ça la comptabilise. Ah, ah mais du coup attends, ça veut dire qu'il faut trouver manuellement chaque truc. Ah mais c'est galère, ça veut dire qu'il faut trouver le ouais. bloc dans parmi tout quoi. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un truc, genre par exemple quand t'as un bloc en particulier il est affiché dans le catalogue, je suppose. Je sais pas. Sinon j'avoue que c'est galère ouais. Parce qu'il y a trop de pages quoi, il y a littéralement 30 pages genre. Ah ouais, tu vois genre là j'avais des feuilles, tout de suite ça les a mis en premier dans le catalogue pour cliquer. Attends, slash... Bon moi je vais m'amuser à construire des trucs. Hein. Et alors du coup faut que ça soit dans le backpack ou rien à voir? Ouais. Non, rien à voir. Ok. Enfin, tu les as dans le backpack et en fait il va te les manger quand tu fais slash catalogue. Enfin, si j'ai bien bah attends, c'est quoi, je vais juste prendre un maximum de blocs différents et puis on va voir après. Hein. Ok. Putain, mais j'avoue que ouais, vu qu'on n'est pas ensemble, c'est une galère pour se mettre d'accord sur ce qu'on prend. Y'a tout, en j'avoue, y'a le steak. Ouais, je crois qu'il y a le steak. Le bloc steak. Ah oui, d'accord, dès que tu ouvres le catalogue, y'a ce que tu as déjà, oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et donc du coup, si vous faites des dons, je crois que ça nous donne des bonus ou des malus. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, maintenant, là. Ouais, vas-y, si tu veux. Ok, vas-y. T'inquiète. Bah, tu m'en apportes... Tu me les apportes un par un. Oh, OMG, merci Fenozette pour les 20 balles. OMG. Oh là 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 là. Attendez, faut que je vous montre mon POV. Attends, vas-y, ferme la porte et je vous montre. Oula. C'est qui, eux? Attendez. Le plat, il est tellement douteux, je vous jure que non. Par contre, il me manque la... Merci pour les 10€, Ray. Ah, c'est des malus. Ils avaient donné un truc pour qu'on puisse... Par contre, il me manque une... Regardez, attendez. Je suis chaud, mais je sais pas comment on fait. Il manque une cuillère, la team. Slash. Regardez. Set base. Merci pour les 5€, Proniel. Sur votre position. Merci beaucoup. Ouais. Et en fait, si vous faites slash base, est-ce que ça va pas vous TP sur moi? Exceptionnel. Attends, slash base. Oh, c'est beau. En vrai, incroyable. Et tout est parfaitement comestible ouais, c'est à consommer, les gars. C'est vraiment juste ah ouais, ok, nice. Ouais, attends, okay, on rappelle les trucs de base, c'est ça, hein. Hop, faire un petit établi. Purée, j'aurais pas dû me TP, en fait, j'avais la carotte. Vas-y, pose-le... pose-le derrière. Vas-y, et ça... Non, c'est bon. Alors, la carotte ça, c'est littéralement la même chose. Des oh, pardon, ouais. La carotte décorative, parce que c'est un bloc, le mien. Tu l'as déjà, le nid d'abeille? Nid d'abeille, ouais, j'ai pris, je crois, ouais. Je sais pas s'il me l'a validé. T'inquiète, pour bah, je pense que je vais juste manger... Ouais, non, je vais manger riz poulet, je pense, vaut mieux. Ouais, et moi, je prends ça et je suis allé un deuxième... Vas-y. Je suis très chaud. Ah, merde. Voilà, c'est réussi. Oh, mais j'ai cramé mon bateau dans le truc. Merci, chef. Ah oui, ok. 2,7%, c'est bien, c'est bien. Oh, attention. Merci, Mandule, pour les 20 balles. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors un chef privé. Un four, je pense, parce qu'il y a les... Tout ce qui était... Oh, regardez comment c'est violet, frère. Ouais. Vous avez vu, vous vous rappelez comment, à quoi ça ressemble, la team? Donc il y a ça, et le curry... Donc le ragoût, on vous l'a montré, et le curry, ça ressemble à ça, du coup. Ah, mais faudra faire les laines de toutes les couleurs. Et genre même au niveau du dressage, c'est exactement la même. Ouais, c'est juste dans l'autre sens, mais vous avez capté, quoi. Bloc de laine. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. Ok, je suis désolé. Je suis à moitié là, parce que... Avant, j'étais littéralement en train de cook, et là, je mange un peu à moitié, donc c'est... Voilà. On fait comme on peut. T'inquiète, on est fort. Ah, il a dit, normalement, l'event dure 8 heures. Hein. Je prends le temps de manger, là. Oh non. Mm-hmm. Ouais, du coup, Julgan, on peut se rejoindre si tu fais slash base. Ah, slash base, ça. Ouais. Ok. C'est au même endroit.
Ah super. Ah merde, celui-là je peux pas. La team c'est tellement bon. En fait c'est genre des tranches de d'escalope de poulet avec une genre de panure bien grillée et tout. Oh là là, il est trop fort face frère. Non, j'ai fait un coffre. À mon goût ça manque juste un petit peu de sel. En vrai j'ai juste cherché un peu de sel. Les escaliers. Alors peut-être que ça. En vrai si ça heurte le chef. Ah non, j'ai je sais pas si on a le droit de rajouter du sel ou si ça heurte le chef. En mode, tu sais, tu dois pas l'assaisonner sinon c'est la merde. J'ai fait corps, okay. J'ai fait escalier. Merci beaucoup.